vie. La caméra. Tu t'ennuyais? Ben oui, sincèrement. Ça fait bizarre, tu sais. On fait rien sans une caméra d'habitude, puis là, t'es plus là. Oh. C'est vrai. Allô? Ça va? Oui, ça va très bien. Allô? Allô, je m'ennuie de la caméra. Ah. J'ai mal au ventre. Oh non, mais l'eau, ça te fait c'est le bébé dragon. Bébé dragon. Bébé dragon. Bébé dragon. Il est beau, hein? Je vous présente bébé dragon. Allô, ça va bien? Oui. Petit béquille. Ça prend une heure, la sauce. Costume à Philippe? Oui, c'est son nouveau costume. Je pense que ça y va mieux, tu sais. C'est fait, tout craché. Aujourd'hui, on fait un enchaînement, premièrement avec les micros et les petits écouteurs. J'ai pas, les petits écouteurs. Moi, j'aime pas ça avoir des écouteurs. C'est pas confortable, c'est tannant. Il faut avoir des tapes, là, parce que sinon, ils sortent de nos oreilles, là, pis non, c'est tannant. J'aime pas ça. J'aime ça avoir un micro, par exemple. Ow. Ils sont fous, ces phénomia. Mais non. Mais oui. C'est sa faute. C'est la faute de Fen. C'est sa faute. C'est la faute de Fen. Oubliez ça. L'éclipse est là. On n'a plus le temps. Vraiment plus le temps. C'est la faute de Fen, faut s'en débarrasser. C'est la faute de Fen, si tout est arrivé. Ça vaut pas la peine de rester accroché. Ça vaut pas la peine, faut mieux se rallier. C'est la faute de Fen, faut s'en débarrasser. C'est la faute de Fen, si tout est arrivé. Ça vaut pas la peine de rester accroché. Ça vaut pas la peine, faut mieux se rallier. C'est la faute de Fen, faut s'en débarrasser. C'est la faute de Fen, si tout est arrivé. Le moral Le moral, je pense qu'il est à son maximum. Mais en même temps, le stress sur certaines personnes, ça a d'autres effets. Fait qu'il y a un petit peu d'accrochage au loft. Ça me concerne pas. Oh là, je suis pas stressé, là. Merci beaucoup. Oui, en plus, tu n'avais pas la bande son, ça te dit. Non, c'est pas grave. C'est juste. Ah, comment je me suis fait ça? Ah! Oh, t'es attends, pas attends, ça fait mal! Ok. Ah, je suis très mon chien. Merci beaucoup. Il est chaud. Là, il faut lui accoter la jambe. Sans Marie-Michel, on peut pas faire le show. C'est sûr. Parce que c'est comme... Ben moi, je trouve que c'est comme la voix du groupe, numéro un. Puis deuxièmement, ben elle a quand même un bon charisme que j'adore. Puis sans Marie-Michel, le show, il serait vraiment pas pareil. Puis j'espère que son genou est correct, parce que moi, il a arrangé ça. Je l'aime, ce show-là. Je veux le faire. Tu sais, c'est comme... J'ai travaillé beaucoup pour être là, puis c'est comme... Je veux le faire vraiment, là. Je vais être correct, là. Je vais arrêter de dramatiser. Je dramatise tout le temps pour rien. Je suis tannée. Jean-François, hein? Mathieu? Petite surprise pour vous autres. Tu veux? Ouais, bon.
C'est la même chose, tout le monde m'arrive. Pourquoi moi ça m'arrive pas des affaires de la même? J'aimerais ça que mes amis viennent me voir. Ah, t'as des amis? Ben oui, j'ai des amis. Là. Ouais, je pensais pas moi. Quand même. Au moins un, là. Combien t'es payé? Ben, je suis pas si pire, là. Il dit que ça sera encore inflammé un peu, mais il faudrait que je remette de la glace de 15 à 20 minutes ce soir, puis essayer le moins possible de marcher dessus. Mais là, c'est sûr, c'est dur parce qu'on est en train de faire le show, l'enchaînement. Donc, c'est sûr que moi aussi, je vais être dedans pour vous montrer ce que je suis capable de faire aussi, là. Mais je vais peut-être essayer de moins être énergique. Ça va être. OK. Mon genou va mieux. Hier soir, j'ai mis de la glace dessus. Puis je pense qu'il va être correct pour le show. Mais pour moi, je vais juste cogner parce que si ça m'aurait fait encore mal, je l'aurais soit foulé ou cassé. Mais là, il est vraiment correct. On a encore du travail, c'est sûr. On n'aura jamais assez. On va arriver au show, puis on va en avoir encore du travail à faire. Mais ça va super bien, là. Bien, ça fait depuis le début de la semaine qu'on fait juste pratiquer. On commence le matin très tôt, puis on finit vers 8h30 le soir. On est fatigué, c'est sûr, parce qu'on se couche pas de bonne heure, parce qu'on finit pas mal tard. Et on est mort d'énergie. On est dans les derniers milles, puis il faut beaucoup, beaucoup donner. Tout le monde, on est moins là, puis ça nous tente moins, mais c'est normal parce que au show, c'est... Tu fais la chorégraphie une fois, tandis que là, on l'a fait comme 15 000 fois. Là. Puis moi, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, je suis tannée. On devient comme de plus en plus comme fatigué. Je pense que tout le monde est vraiment épuisé. Là. Et je veux dire aussi, le fait qu'on est encore ensemble tout le temps, ça fait des petites frictions, mais on est capable de les résoudre, mais c'est plate parce que c'est pas le tempérament que je voudrais qu'on vive en ce moment. J'aimerais ça qu'on dise « Hey, on s'en va faire le show, c'est le fun, c'est trippant », mais on est toujours découragé parce que c'est tout le temps long. Puis... C'est tout le temps répéter la même affaire, puis le recommencer avec un petit détail de plus. Puis là, quand c'est toi qui l'as pas, quand c'est pas toi qui l'as pas, c'est quelqu'un d'autre parce qu'on est neuf, fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui l'a pas, puis il faut recommencer. Fait que c'est long. Je pense que c'est, oui, l'attente, c'est vraiment un côté très difficile, la répétition. C'est toujours de l'attente. Ça marche pas, on recommence, faut enchaîner. C'est vraiment compliqué, là. C'est toute la gang, fait qu'il faut faire attention, pas se plier ses pieds, puis faut tout penser à tout. Ben, y a pas eu de chicane, là, mais... Ben, ces jours-ci, tout le monde, le moral, il commence à baisser parce qu'on sent le show qui arrive, le stress rentre. Pis... On travaille fort, là, tu sais, c'est normal. Puis il y a tellement d'affaires que je trouve qui vont vraiment mal, puis on change souvent des affaires à tous les jours, puis... Moi, je trouve ça difficile. Je sais pas les autres, là, mais... C'est normal qu'on se sent comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe que ça nous remonte le moral. Par exemple, quand on a été à Radio Énergie, on a vu l'émission, la dernière émission avec les monteurs, les caméramans. Donc, c'est assez spécial. Puis c'est sûr que je suis jamais à terre, mais il y a des fois que ça peut arriver qu'on est assez bas. Comme d'habitude, il y a des jours que tout le monde s'ennuie, il y a des jours que tout le monde est fru, il y a des jours que tout le monde est content, il y a des jours que tout le monde est triste. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est content, puis il y a un peu de fatigue, mais ça va faire du bien, le petit break qu'on prend. Là. Moi, c'est définitivement déçu. Je vais faire le show comme ça. Comment ça? Parce que Stéphanie, elle a mon linge. Stéphanie est pas là, puis je me sens bien dans mon costume, mais ça fait trois fois qu'on pratique avec et personne le lave. Mon costume est là! Quand même, beau travail, hein? C'est pas la photo? Ok, vas-y. C'est fort! Les nouvelles béquilles de Philippe. Ouais. Tu es nerveuse de faire ça devant un petit public? Je suis pas nerveuse, mais parce que dans les répétitions, ça a été so-so les dernières répétitions, fait que j'espère que ça va être plus beau que ça, là, mais c'est pas vraiment de la nervosité. Ah, et là, mon ami. Toutes les voix que vous allez entendre durant le spectacle, sont réelles. C'est vraiment c'est des vrais micros, ça. Ouais. C'est des vrais micros, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas... Il y a aucune frime là-dedans, c'est vrai à 100%. Ouais. On fait des voix blanches juste pour faire un petit son homogène. Ouais, c'est pour pas... Quand on est étudié comme moi, genre, une cardio girl. Non, t'es une déesse. Je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, OK. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Qu'est-ce qui nous a
trop attendu, y a plus de doute. Nous voilà enfin convaincus. On n'est rien le sans l'autre. Nous devons nous unir pour que brille le soleil sur notre avenir. C'est une urgence, fais-nous confiance. L'union fait la force, sans toi ça se corse. J'étais dans une transe, là. Tu peux pas le voir, je me sentais tellement pas moi. Tellement bon. C'était super convaincant. Ah! Oh, mais tu pleures! Mais hey, je pense que je vais quand même limiter ma voix. T'as-tu vu, Loki? Ben, je l'ai trouvé du cœur. J'ai adoré. Nous autres, on commence à pleurer, là, parce que tout le monde est fatigué, puis on sait tellement qu'on leur a demandé. On leur en a tellement demandé. Et puis là, là, ce qui nous donne, on est émus, on est fiers qu'on commence à pleurer un peu, là. Oh, ça se fait bon. T'as l'air méchante. Mais... C'est tellement pas de même dans la vie que là, je suis à l'extrême. C'est clair. C'est clair. Ah! Je suis contente! Sur scène que dans la vraie vie. Mais là, oui. Tu sais comment je suis. Mais merci. Marie-Michouette! C'est ça, c'est mon nouveau nom. Vraiment bon. Mais ça a tellement passé vite, je trouve, celle-là. Ouais. On dirait qu'on était tellement... Moi, j'ai en tout cas pensé la situation de tout le monde. On était tous dedans, là. Là, ça allait de même. C'est même pas moi qui l'ai fait, puis je suis épuisée. Mais tellement! Moi, j'ai eu des frissons. Moi, j'ai pleuré. J'ai eu des frissons. Je t'ai vu pleurer. Moi, j'ai eu aucune confiance. C'était excellent. Vous êtes totalement décollé quand vous jouez. Oui. Moi, je suis pas vraiment pleurer. Moi, je suis là. Je suis pas avec vous autres. Vraiment. Ah oui, t'es tellement grounded. C'est super. Je pense que c'est le meilleur qu'on a donné. Ça, c'est vraiment de loin votre meilleur. De loin. Oui, excellente forme. Good. Hello. Hello. Salut. Bien. Ouais, toi? Ouais, mon pignon. En forme? Ouais. Salut, Mimi. Salut, Tommy. Je peux pas encore stresser. Je pense que je le serai pas, sérieusement. Ah ouais? J'ai confiance en toi. J'ai hâte de voir ça. C'est déjà pas ça. Salut. Mallory Amitri, non? Si! Allô! Hey, Mallory! Allô! Hey, on rentre en salle aujourd'hui, c'est fou! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Est-ce que vous venez pratiquer dans le nouveau événement avec nous? Ben oui, je vais faire la chorégraphie avec toi. Cool! Ah ben, Urbain, si c'est pas M. Touzel? Ben oui! Ça va bien? Hi! Ben oui, ça va très bien! Salut! J'ai hâte de voir la salle de l'intérieur. Ouais, hein? Ah, c'est qui? Phénomia, bonjour, c'est Phénomia. Entrez. Merci. Oh, wow!
c'est bien. Il y a plein de monde. Salut. Ouais. C'est bien beau. Ah, yo! Oh, c'est bien cool. Comment tu trouves la salle Marianne Kelina? Mais là, elle est trop belle pour que ça soit ici. Ça ressemble à pas d'allure. Les bas sont rouges, bien trop romantiques, là. Alors, c'est vraiment, vraiment beau comme théâtre. Ça ressemble au théâtre chez nous, à Shawinigan. D'après moi, on va aller là dans... Je sais pas quand, là. Mais c'est super beau, j'ai trop hâte. Aimez-vous ça, le... Mais c'est quoi? C'est toi qui t'as fait Roméo et Juliette. Oui. C'est du début. C'est romantique, c'est rouge, c'est intense, c'est ouais. Beau, c'est joyeux. C'est vraiment intense. C'est du début, tu sais. C'est comme à Noël, tu sais. C'est l'Halloween. C'est comme à Noël. C'est l'Halloween, c'est Noël, c'est tout. Est-ce que vous commencez à être nerveux? Est-ce que c'est demain? Mais là, moi, je dors pas, tu sais. Je me suis endormie à 4h du matin, puis j'ai. Je sais pas pourquoi, là. Ah, je te jure, je suis stressée, mais j'ai hâte de le faire. Je pense juste à ça, je me concentre juste sur ça. Toi? Moi, je suis bien capable de dormir, je suis pas stressé, mais quand à chaque fois Marie-Michel arrête pas de dire « Hey, c'est demain, c'est demain, c'est demain », mais là, ça commence à me stresser. Cool. Hey, c'est demain! C'est cool, c'est demain! Quand il est dans cette salle-là, au début, j'étais genre... Puis toi, Milo? Moi, je suis pas stressée du tout. Mais j'ai hâte comme Marie, mais je suis pas stressée. C'est pas normal, je suis pas stressée. Ça va sûrement embarquer à un moment donné. Tu penses pas? Non. Non? Non. Même pas 5 minutes avant la représentation, quand non, ça tu va être comme la foule? Non. Non. OK. Je te crois. On va voir les loges. Hey, moi, j'aimerais juste... Oh, c'est cool! Il y a une douche. Il y a une douche qu'on peut se laver. Puis il y a les fameuses lumières de loge. J'ai tout le temps voulu ça. Regardez! Et ça, c'est les lumières de loge. Oh, oui, j'aime ça, là. Oh! Ensuite, il y a une autre loge. Oui. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les gars. Non, c'est pour les coiffeurs puis maquillage, Juliette. Il n'y a pas de non-jouer, là. Meuf! Fais là, je vais pas! C'est assez cool! Ah, check de main, t'as fait. Moi, je veux... Ah, ça, c'est la chaise du directeur. Je sais pas pourquoi, en tout cas, je t'ai engagée, hein? Ouais, oui. Ce petit gilet-là, t'aimerais-tu ça? Mon père. Oui, je suis très nerveux, mais... Je sais que je vais être encore plus nerveux demain. Puis, ce sera pas drôle. Comment ça a sentir? Les petits papillons? Ouais, j'ai des petits papillons. T'as-tu, comme dirait Mathieu, une armée de papillons dans le ventre? J'ai une armée de papillons dans le ventre. J'ai une armée de... sauterelles. Hey! Jusqu'à 8 heures ce soir. Vous avez un break de 5 à 6. Et c'est extrêmement technique, comme on a fait samedi avec le son. À la différence que là, tout le monde connaît le show par cœur. Tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Il n'y aura pas d'enchaînement du show complet aujourd'hui, comme prévu. Là. Tout est pareil. C'est demain. C'est demain. Deux fois.
vous n'avez pas besoin de vous donner. C'est genre... Ou vous allez vous donner, c'est à la générale, ouais, c'est la deuxième. Ouais, ouais. Là, vraiment, vous vous donnez pour tester tout. Là. Puis on dit mauvais, général, bonjour. Voilà. Ouais. Et après ça, ben, vous avez vous enfiler maquillage, costume, puis on part. Ouais. On est prêts? Hey! Bonne journée! Hey! C'est comme avant Noël, là. On est impatients. Moi, je dis que c'était le show à soir. Eh mon Dieu, ce serait poche si on se faisait asseoir! Non, pas fait le show à soir. Non, même là, on m'a dit, mais... Comme on n'a pas le temps de se réchauffer vocalement, je vous suggère de commencer mollo. Y aller, on y va graduellement. Il n'y a pas besoin d'avoir toute votre énergie tout d'un coup. Allez-y graduellement parce que c'est demain chaud, on veut garder notre voix. Puis à un moment donné dans la journée, on va vous demander de chanter à pleine voix pour qu'ils puissent vraiment faire une balance de ça. Et le reste, il va le faire demain. OK? Okay? Bien, en haut, avancez-vous un peu, là, ceux qui sont devant les trous, avancez-vous un petit peu. OK, parfait. 3, 2, ouais. Ben ça, hein? Oui. Le problème, c'est qu'on les reconnaît. Ouais, je sais. C'est bien dur de ne pas les reconnaître, ils sont blessés. OK. C'est le mieux qu'on peut faire? Non, on peut encore travailler. Parce que... Là, j'avais des petits micros qui essayaient de dedans pour faire des personnages. Là, j'ai les 20 personnes. OK, c'est beau. Parfait. Est-ce que t'allais mettre plus de son? C'est ça. Les Fédolia pourront-ils sauver la planète? Yeah! Yeah! Come on! Yeah! 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 Woo-hoo! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Ça va pas pire, c'est dur, c'est très dur. Parce que là, on fait des tuku-tuku. Puis c'est dur parce qu'il faut recommencer, on arrête, on recommence toujours, toujours. Puis c'est dur parce qu'on refait comme la même chanson comme plein de fois. Puis c'est dur, là, on vient fatigué, mais il faut le faire pour avoir un bon show. C'est bien que tout soit prêt aujourd'hui, puis que demain, ça soit... T'es prêt, genre, mais là... Oui, je commence à sentir la salle, l'énergie, tout ça. C'est super cool avec les éclairages aussi, là, c'est super. Là. Mais dans un vieux théâtre comme ça? Ben, ça n'a pas de l'air vieux, sauf que ben, j'aime vraiment ça, là. Ça. Ben, je veux dire, ça a l'allure d'un vieux théâtre, sauf que c'est pas vieux, tu sais, c'est neuf pareil. On va faire Lula. Fait que Valérie met sa perruque. Et puis, on va faire juste Lula pour avoir les coups d'éclairage, fait que c'est ça. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à la mise en scène. C'est un peu plus en arrière de la scène qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Puis il faut qu'on passe derrière l'éclairage parce que c'est sûr que s'il y a une scène importante qui se passe, puis là tout d'un coup qu'on voit un ombrage passer d'un bout à l'autre de la scène, bien, ça fait pas très très esthétique. Mais là, c'est ça, c'est pas grand chose de difficile. On peut faire avec facilement. OK, c'est bon. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. C'est sûr que... Je suis sûre qu'on va pas avoir fini à 8 heures. Mais on garde confiance, puis on reste concentré. C'est très difficile de rester concentré, surtout moi. Avec la lettre. Dans 5, 4, 3, 2...
C'est vraiment hot. C'est vraiment impressionnant, là, je suis vraiment... Dieu, c'est fou! Ah, ça va être hot! Il n'y aura pas de confetti, finalement, hein? Je pense pas. Penses-tu qu'il va avoir de la misère à crier? Oui, ça, je me demande comment je vais crier. Hein, Marie, comment je vais crier? Non, mais... OK, attends, j'essaie! Nous avons la technique, puis tout le monde. On va terminer les cues d'éclairage, et demain, là, ils pourront rentrer dedans, parce que ça, on, il nous manque du temps. Donc nous autres, on va passer la nuit blanche. Ciao! Hey, les filles! Allô! As-tu bien dormi cette nuit? Très bien dormi. Tout le monde était stressé, mais pas moi. J'étais pas stressée. J'ai pas eu de misère à m'endormir, sauf que pour le matin, mettons que je me suis réveillée de bonne heure, puis j'étais vraiment plus capable de me rendormir. Là, j'étais vraiment stressée. T'es prête? Oui, je suis très prête. Toi, t'es-tu prête? Oui. Fais le lubrifiant. Tes bagages? Ouais, ça va là, genre. Genre, Mathieu, Mathieu. Parfait. T'es nerveux d'entendre ça? Pas pente. Non? Non. Tu vas pas se coller, t'es-tu nerveux? Oui. moi, c'est comme je suis le plus nerveux de la gang. J'ai le track pour tout le monde. Tu as fini tes bagages, hein? Non, mais là, j'étais à la presse. C'est fou, là. Yo, crayon! T'as-tu un crayon? Non. T'as-tu un crayon? Ça va te faire bizarre de partir du là? Oui, c'est sûr que ça va faire bizarre parce que d'habitude, on part peut-être une journée par semaine, tu sais. Fait que là, ça va être plusieurs journées. Fait que ça va faire vraiment bizarre, là. Regardez! Moumous est rendu à Acadien. As-tu bien dormi cette nuit? Ah oui, moi je dors bien. Je suis pas stressée. Arrêtez de me demander. Je suis pas stressée du tout. Vous savez pas qu'elle est en train de Elle est en train de dormir, puis moi je m'en vais sur le bord de m'endormir, puis là j'entends enchantée, Mélodie. C'est sûr que ça me rend nerveuse que mes parents et ma famille soient là parce que je leur ai quasiment rien dit du spectacle. Fait qu'ils savent quasiment rien de ce qui se passe dans le spectacle. Fait que j'ai bien hâte qu'ils voient ça puis d'avoir leurs commentaires après. Est-ce que tu retournes à Atollville? Je retourne à Atollville pendant mes 3 jours de congé. Ça va faire étrange de retourner chez nous. Là. J'ai hâte de voir la réaction du monde. Vas-tu t'ennuyer nous? Émilie! Ah oui, je m'ennuyais! Salut! Salut! Vous êtes prêts? On s'en va! Fais la mienne! Où est-ce qu'elle est, Marie-Miche? Marie-Miche a des problèmes de voix. Alors, elle est partie à l'hôpital pour vérifier sa gorge et s'assurer qu'elle va être aussi bonne que d'habitude. T'as rien de grave? Je sais pas, mais je sais qu'elle avait beaucoup mal à la gorge puis elle s'est couchée très de bonne heure hier. J'ai fait un massage. Un massage de gorge? Un message pour se détendre.
C'est toi qui remplace Valérie au show? Ouais. Parce que regarde, il fait pas beau dehors là, puis là je leur ai dit de chanter, il faut chercher le soleil. Ah ouais, pas de problème. Comment? Ça va, Mathieu? Ça va très bien. Ouais, pas nerveux? Pas d'avoir tout. T'en as pour combien de temps avec lui de façon réaliste encore? Les cheveux? 20 minutes. Déjà maquillée, j'ai l'air d'un clown, là, tu sais. Non, je suis pas l'air d'un clown, c'est super cool, mais c'est assez maquillage de scène. Les yeux, là, ça fait peur. C'est quand c'est fini que c'est supposé être filmé, ça. Ben, je suis pas encore vraiment nerveuse, là. Je suis juste comme... J'essaie de timer dans ma tête qu'il me reste à peu près une heure et demie pour me préparer. Puis là-dedans, j'en sens 15 minutes d'intériorité calme et respiration. Là, c'est comme on dirait qu'on se réalise pas, on dirait qu'on vient de faire une grosse journée de pratique, puis ça fait comme... Fou, là, on se maquille, on se coiffe, c'est le fun. On s'en rend pas compte, genre, qu'on a un show tantôt. Non, je suis pas stressée. Ça va très bien, là. Je pense que ça va être un show écœurant. Ouais, ouais. Ouais, je vais te conter une anecdote. Je suis pas stressée. C'est vrai. Puis je me comprends pas. C'est bizarre. Je sais pas ce que j'ai. Le stress commence. C'est quand même dans une heure et demie, là. Oh oui, 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 ça va aller, ça. C'est juste nous autres en arrière, la technique, on a un petit peu de bruit dans le toupet. Ça va aller. Gang, faut que je vous parle. Faut que vous m'écoutiez. Oui, j'ai hâte de revoir mes rallonges, par exemple. Je vais me sentir encore plus rockers. J'aime vraiment ça. Dans tous les tremblements, surtout le 4e et 5e tremblement, surtout, mais surtout, vous devez shaker de tout votre corps. Oui, Julie, tu veux te promener et faire une démonstration, s'il te plaît? Pas stressé, pas en tout. Non. Non, mais c'est que je me sens prêt. T'sais, je sens que tout le monde est prêt, puis on donne notre maximum, puis je veux dire, il n'y a plus rien à changer, puis... C'est ça, on est pas à la dernière minute. Il est trop tard, là, s'il y a un problème, il y a un problème, puis on fait avec. Attention, s'il vous plaît, on est en onde dans 15 minutes. Oui. Oui, extrêmement confiante. Sophie n'a pas confiance, on a des problèmes. Oh. On est vraiment prêts. Oui, on est prêts, on est prêts. Mais ça ne m'est jamais arrivé de diriger un show puis d'être aussi énervée comme si j'allais jouer. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis super énervée. Là. Parce que je ne suis pas, moi. Ouais, c'est pas chercher la lumière, là. Elle est assez forte, merci. Oh, mon Dieu, Vincent, là! On est en onde dans 10 minutes. Non, 9 minutes. Ça va être 9 minutes bientôt. Je veux pas vous pleurer, OK? Ça, c'est la job de nos parents. Pendant le show, laisse-nous pleurer. Ben oui, ma maman est avec moi dans ma jupe. On a le droit pendant le show. C'est le petit ange à ma maman. J'ai hâte. Bon, on a tout notre monde, là! Valérie! J'avais une rencontre avec vos profs. Je viens vous chercher dans 3 minutes. OK. Gang, merci, merci, merci pour la confiance que vous avez donnée à notre équipe. À Mylène, Sophie, Anne-Marie, à tout le monde, tous les collaborateurs. Merci, Nancy, où est-ce que tu étais là? Merci mille fois et on vous aime énormément. Non, non, non. Parce que moi, j'ai plein de maquillage. Okay. Ben, moi, ce que je vous dirais, c'est que de toute façon, j'ai confiance en vous autres à 100%. Ma confiance, vous l'avez gagnée. Ça fait longtemps. Fait que, amusez-vous, puis oubliez la technique, puis tout ça. Oh, ouais. Amusez-vous. Ouais. Oubliez les matantes. Ouais. Moi, je pense que maintenant, gang, des fois, je vous le disais, hein, on se lance la balle. Là, la balle est vraiment dans votre camp, puis amusez-vous. J'ai juste des merci, moi aussi, en ce moment. Puis c'est la récolte ce soir. Vous avez tellement semé. Ce soir, c'est la récolte, c'est le plaisir. Merci, ce que vous allez offrir est merveilleux. Bravo, bravo, bravo. On est tellement fiers de vous autres, ça se peut même pas. Yeah! Si le décor tombe, faites comme s'il n'était pas tombé. Continuez à jouer. Si vous êtes en dessous, faites ouch quand même, on viendra vous sauver. Mais les autres, OK. OK. Bonjour.
c'est déjà fini, là, mais on va se revoir maintenant. Est-ce que vous êtes dérangé? Il faut qu'on aille dans les J'ai pleuré pour ce soir. Oh, c'est pas le temps de pleurer. Oh non, pas de caméra. Oh, là, c'est pas le temps. Oh, c'est con, non? Oh, non. On a travaillé 9 semaines pour faire ce show-là, puis ça passe comme 5 minutes de temps. Je trouve ça dur, mais bon, je vais me remettre, là. Là, je me connais, je vais arriver chez nous, je vais brailler parce que je vais m'ennuyer. Comme à Québec, à toutes les points de chou, moi, je suis tout le temps perdue. Oui. Oh, merci. Oh, je sais vraiment pas comment expliquer ça, là. C'est tellement indescriptible. Puis là, on s'en va dans une conférence de presse dans pas longtemps, puis je vais tellement avoir d'émotions qui vont sortir. De ta star, je sens pas que c'est la fin, tu sais. Patrick Gauthier, Journal de Montréal. Qui était le plus nerveux? En termes plus simples, qui a le plus vomi avant le spectacle? Il devrait pas m'en regarder parce que je me suis même surpris moi-même en étant pas stressé 3 jours avant le show. J'étais stressé 15 minutes avant le show. Mais stressé, par exemple. Est-ce que vous êtes content de vous, de ce que vous avez fait? Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Là, on est vraiment super fiers. Là. Je pense qu'on pensait jamais qu'il n'y aurait pas d'erreur de même. On s'est pas trompé. Puis, tu sais, il n'y a pas eu d'erreur flagrante ou quelque chose qui est arrivé qui aurait vraiment dérangé le spectacle. Tout s'est vraiment bien déroulé. Quand on arrive au show avec toute l'adrénaline qu'on a, puis tout, je pense que ce show-là, là, on s'est amusé à fond là-dedans. C'était vraiment cool. Je pense qu'on avait vraiment tout hâte de le faire. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu le prix? Je pensais vraiment pas que j'allais avoir le prix. J'avais confiance en moi, puis je me disais, bon, tu l'ailles ou tu l'ailles pas, il y aura pas de grosses différences. Pour moi, l'important, c'est d'être ici avec toutes les personnes que j'aime, puis vivre une expérience comme ça. Fait que le prix Phénomia, je pense que tout le monde le méritait dans les 9. Puis, ben, dans mon cœur, le prix, je le dédie à tout le monde. Merci, Val. Allez, là, vous êtes capable. C'est mon commentaire. Nous flottons, nous sommes au 7e ciel. J'ai pas de mots, c'est mon rêve. Je suis tellement fière, je savais avant qu'ils chantent qu'ils seraient excellents. Et la chose est confirmée, ils sont excellents. Ça veut dire bien se retrouver en famille avec ma petite maman que vous voyez ici. Je suis très, très fière de ma fille. Il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots. Je peux pas parler plus parce que je vais encore pleurer. Fait que j'étais assez méchante à l'air. Je me suis dit que c'était pas marché, ça pleurait pas à la fin et elle a pleuré à la fin, donc je l'ai rencontré. C'est mon petit frère que je parle tout le temps. Je suis assez contente, là. Mais moi, je m'ennuie. Moi, je m'ennuie. Là, demain, je vais voir mon chum. Ça fait quand même du bien de les voir, puis ça fait chaud au cœur de voir qu'ils me supportent comme ça, des fleurs. Je suis sûre que je vais m'ennuyer, là, vraiment. Je suis sûre. Ça te fait du bien de retrouver ta famille? Oui. Tu es fière d'elle? Très, 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 très fière. J'ai vu un autre Émilie à soir, une Émilie épanouie et dynamique. Ben, je m'ennuie bien gros de Beethoven, puis j'ai bien hâte de le voir. Ben, je trouve ça super le fun parce qu'il y a 2 ans, ma soeur était un petit peu plus gênée. Là, je trouve ça super le fun qu'elle ait pu sourire comme ça, puis qu'elle soit rendue là. Oh. Wow! Ben, oui.
j'espère que ça va bien aller. Puis j'espère que ça va bien aller. J'espère que ça va bien aller. Puis j'espère que ça va bien aller. Ouais. Puis j'espère aussi que ça va bien aller. Ouais, c'est sûr, mais on espère tous que ça va bien aller. J'aurais une question pour toi. Est-ce que tu espères que ça va bien aller? Oui, c'est sûr qu'on espère que ça va bien aller. J'espère vraiment que ça va bien aller. OK. Puis dans un autre ordre d'idée, est-ce que tu penses que ça va bien aller? Oui, je pense que ça va bien aller. OK. Super. Merci, Philippe. Ça va bien aller. Anthony! Non! Hey. On l'a pas! Non. Pas moi! Ok, je recommence. Ok, il y a une mouche. Hey, j'ai peur que ça soit ça, justement. Ok. Lâchez-moi! J'aime pas ça! Ok. C'est pas confortable? C'est vraiment pas confortable. J'ai l'impression d'avoir des bottes de laine. Toi, avec le cutex, ça fit tellement.